Bonjour, bienvenue à toutes et à tous au Dynamic Games des Herbiers. Mon ami Cédric, attends, faut pas que tu battes aussi. On est à toi. Ça passera dans le bêtisier. Donc on va faire un petit tour de magasin, vite fait, on va tester une petite console. Une petite mini NES, Mini NES. Donc j'espère que ça vous plaira. On n'a pas trop de tests en ce moment parce que c'est très très calme. On a du mal à avoir de la PlayStation 5 et puis des jeux. Donc c'est parti mon ami Cédric, et puis on va faire un petit tour de magasin. Tu montreras ta future super mini NES qui est disponible de 15 ans d'ailleurs. Voilà. Exactement. Allez, c'est parti. À tout de suite. La mini NES, donc il y a une trentaine de jeux de souvenirs hein, dedans. D'accord. Il y a un jeu qui te ferait plaisir, Arnaud, là, de retester là, pour te rappeler ton enfance. Oula, ma jeunesse. Bon, à l'époque, tes parents n'avaient pas les moyens de s'acheter une NES, donc la mini NES, ouais, ça m'a toujours fait rêver. Faut compter combien sur ce. Je vois que t'as un petit prix là. Ah oui, hors d'occasion, tu vois, c'est 49 pas très euros, cher. Ouais, ça reste accessible. Le prix est aussi petit que la console, j'ai envie de dire. D'accord, ok. Ouais, c'est clair. Donc c'est pas un Zelda, un Zelda ou un Mario sera peut-être plus facile à jouer. Ah, t'as tous les Mario, t'as le Mario 1, 2, 3. D'accord, ok. Ouais, ils ont mis quand même une liste de jeux assez emblématique de la console. Il en manque toujours quelques-uns, mais bon, on retrouve tous les Mario, tous les Zelda, Double Dragon, Punch-Out, enfin voilà, il y a plein de bons titres de l'époque. D'accord. Donc c'est vrai que pour les gens qui ne collectionnent pas et qui veulent se refaire les jeux d'époque comme ça à moindre coût, parce que c'est vrai qu'après ces jeux-là, les récupérer en cartouche officielle, ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc c'est vrai que là, pour 49 euros, on se retrouve avec 30 jeux excellents sur la NES. Et voilà, et on ne se ruine pas en plus. Donc c'est pas cool. Donc on part pour un petit Mario, voir ce que ça donne. Bon, j'ai pris le premier, le plus emblématique. Oh la musique, voilà, les souvenirs, c'est terrible. Donc, t'as pas tant de latence, c'est un. Non, ouais. Alors après, là, c'est vrai que je suis resté sur un format d'écran un peu plus petit. C'est vrai que la télé est petite, mais même sur des grands écrans, maintenant, le fait qu'on passe par du HDMI sur cette console, l'image reste assez propre. Hein. D'accord, ok. À l'inverse, si vous branchez une NES d'époque, une vraie NES, sur un écran plat maintenant, c'est vraiment dégueulasse. Graphiquement, c'est pas très beau. Bien sûr. Donc, c'est vrai que sur les consoles officielles, il vaut mieux rester sur une télé cathodique. Mais c'est vrai qu'avec cette mini NES, peut-être de passer en HDMI, ça reste. Alors, je sais pas si les gens le voient, mais c'est hyper bien fait. Franchement, la qualité d'image, on en parlait juste avant, c'est quand même très très bien réalisé. Ouais. On s'est spécialisé parce que c'est l'époque aussi, hein, mais c'est clair. Quand tu dis que c'est très très bien fait, les plus jeunes vont croire que tu te fous d'eux là. Bah oui, mais tu vois, le problème de la Nintendo NES, c'est que maintenant tu as des jeux à des prix prohibitifs. Un Mario classique ou un Super Mario 2.
Bah, c'est à des prix en boîte. Bah, tout à fait, ouais. C'est voilà, n'importe quoi. Si tu veux bifurquer sur la vitrine juste derrière, tu verras qu'en haut à gauche, il y a le Zelda 2, par exemple, qui est dans ah oui, en boîte. Ah non, loose. Et voilà, et tu vois que le prix est plus cher que le prix de la console. Elle va à 59 euros. Bah oui. Donc faut avoir un budget assez conséquent. Donc la Mini NES, c'est une bonne alternative pour pouvoir profiter de tous ces jeux NES à l'époque. Voilà. Au niveau graphisme, on s'en tire plutôt pas mal pour du HDMI, ouais, parce qu'il y a une prise HDMI forcément. Donc c'est plutôt pas mal. Et ok. Bon ben, officiellement, tu peux pas rajouter d'autres jeux. C'est-à-dire que t'as la trentaine de jeux. Incorporés. Sont disponibles là. Hein. Ouais, d'accord. Après, officieusement. Ah. Officieusement. Il y a des petits malins qui ont réussi quand même à remettre en fait comment t'appelles ça, des Raspberry, ou pouvoir hacker la console, voilà, quoi. J'en ai entendu parler au magasin. Des milliers de jeux dessus, enfin voilà. Donc en espérant qu'ils sortent une Nintendo 64 ou une Game Boy Color, parce qu'ils en avaient parlé pendant un moment. Donc ce serait plutôt pas mal. J'ai envie de te dire, vu le succès de la Mini NES et de la Mini Super NES qu'ils avaient déjà fait, je pense que Nintendo a tout intérêt à continuer sur sa lancée. Je pense aussi. Un peu comme les petits pains. Donc, je pense aussi. Oui, on peut peut-être une Mini GameCube, Mini N64, pourquoi pas. C'est possible. Allez, et bien voilà, c'est terminé. Donc on est bien au Dynamic Game de Thouars. De Thouars, tout à fait. Cette fois-ci. Donc ça fait toujours plaisir de voir mon ami Cédric. Donc respectez le protocole sanitaire, mais on est très très loin comme vous l'avez remarqué. Oui, bien, on tourne pas la tête, on reste bien, on parle. Donc on a entendu des passionnés, d'ailleurs on a des spectateurs, c'est cool. Donc on vous invite tous à venir au magasin de jeux vidéo de Thouars. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, le magasin est assez complet, il y a énormément de jeux, énormément de choix. Donc rappelle-nous ton adresse, tes horaires, mon ami. Alors l'adresse, 6 boulevard Ernest Renan, en fait c'est au niveau de la place du marché, hein, place Labo. Les horaires du mardi au samedi de 10h à 12h30 et actuellement de 14h à 18h dû au couvre-feu. Et une fois que le couvre-feu sera levé, ben, 19h pour tout le monde. Voilà, ouais, en espérant que ce soit très prochainement. Ouais, bah moi aussi, ouais, en espérant que ce soit très prochainement. Bon bah à bientôt dans une prochaine vidéo et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Ouais, on passera en tout cas. Allez. C'était cool. Allez. C'est parti là. Je te dis quand ça filme, hein, d'accord? T'es prêt? T'es beau? Non, je te filme déjà. Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. On les entend, si c'était des passionnés qui sont des gens. Allez, 4, 3, 2, 1. C'est comme ça. Pas comme un ministre.